Bonjour bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8 nous allons voir maintenant ce qu'on appelle les bases au niveau du shading. Alors là je vous montre la petite vignette au cas où si vous ne l'aviez pas regardé. C'était juste une petite intro qui vous expliquait un peu ce que l'on va faire. Alors croyez-moi il va y avoir beaucoup 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 de choses. Je vais essayer de découper mes différentes vidéos. Alors évidemment je serai concret sur un cas précis et rien de plus. C'est à dire que encore une fois le but c'est que vous puissiez rechercher une information très rapidement. Qui sera marquée soit en français soit en anglais. Histoire de retrouver l'information si besoin. Donc, si on revient ici, l'intérêt c'est quoi C'est toujours le shading, bien évidemment. Donc là, on retombe sur la scène où je vous ai expliqué au niveau de l'intro comment cela fonctionne. Bon, là, je ne vais pas y revenir, pas de problème à ce niveau-là. Ici, par contre, ce que je ne vous ai pas dit la dernière fois, c'est que vous avez en fin de compte un, une HDRI. Une HDRI, si vous voulez, c'est tout simplement. Là aussi, je vous montre la petite vignette pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une HDRI. C'est tout simplement une une luminescence globale de votre scène qui vous permettre d'avoir déjà un éclairage global, tout simplement. Au cas où, si vous voulez changer cet élément-là, vous cliquez ici et vous allez pouvoir, tout simplement en cliquant là, vous voyez, changer votre HDRI. Bon, ce n'est pas le but du cours, mais toujours intéressant de savoir cela. Alors, ce que l'on va faire là, c'est quoi C'est tout simplement, là, je crois que j'ai un... Non. Ce que l'on va faire là, en fin compte, c'est qu'on va essayer de comprendre un peu la base de la couleur. Donc ici, quand on clique, vous voyez, on a déjà ce qu'on appelle une roue colorée, qui va me permettre de sélectionner la différentes couleurs. Vous avez, en fin de compte, différentes... Alors, vous avez ici le choix de la couleur, comme je fais à l'instant, d'accord Et ici, vous allez pouvoir choisir soit plus clair, soit plus sombre. Donc là, plus clair, et là, plus sombre. Ok Ici, vous avez RGB. RGB, c'est dans l'anglais qui veut dire Red, Green, Blue. Donc, rouge, vert, bleu. Ce sont tout simplement les trois couleurs primaires. Alors, ici, vous allez pouvoir jouer sur des curseurs de 0 à 1 par rapport à la force de votre couleur, vous voyez Tout simplement. Donc, vous allez jouer sur le rouge, le vert et le bleu. Ici, vous avez alpha c'est tout simplement la transparence qui sera utilisée, mais bien plus tard. Donc, ensuite, ce que je vais faire là, c'est que je vous décris un peu les différents éléments et après, je vais vous montrer des sites internet je vais vous expliquer un peu quoi, à quoi sert cette couleur. Moi, par exemple, je suis un. Passionné aussi de programmation, alors pour ceux aussi qui sont intéressés, là tout à l'heure je vous montrerai un petit peu d'HTML ou des choses comme ça. Donc j'ai fait un cours complet sur ma chaîne YouTube au niveau de HTML5, mais comme pour l'instant je n'en fais plus, bon, je vous en parle, mais vraiment rapidement. Ici vous avez le HSV, HSV ça veut simplement dire U Saturation Value. Très souvent, cette case est utilisée, on va dire, pour les imprimeurs. Faut savoir que lorsque vous créez des des objets ou lorsque vous faites des créations. Par exemple, récemment, j'avais une personne sur Inkscape qui m'a posé une question et elle disait Tiens, c'est bizarre, mon imprimeur, il ne veut pas que je lui donne des valeurs en RGB mais plutôt en SSV. Alors, ça dépendra bien évidemment des gens, mais c'est vrai que dans l'imprimerie, ils ont besoin de HSV parce que je crois de mémoire, hein, parce que là, je n'ai plus trop en tête, mais je sais que c'est par rapport aux différentes couleurs comme le noir, par exemple, le noir. Ils veulent avoir une, un noir et non une couleur créée par les trois couleurs primaires pour créer un noir. Vous voyez, ça, c'est un exemple concret. Ensuite ici, vous avez ce qu'on appelle le hex. Hex pour hexadécimal. Alors là, l'hexadécimal, très intéressante. Pourquoi Et c'est là que je vais vous montrer ce que je vous disais. Là, vous voyez, on est sur un logiciel qui s'appelle Sublime Test qui va me permettre tout simplement de créer mes, différentes, mes différents sites Internet en HTML, en CSS, en PHP et ainsi de suite. Là, par exemple, je vous montre une feuille CSS qui vous permet de voir des valeurs. Ces valeurs vont servir à quoi ben, En fin de compte, ces valeurs hexadécimales vont vous permettre d'avoir une valeur précise. Et ça, c'est très important. Donc je vais vous montrer maintenant deux autres sites que j'ai trouvé très intéressants pour vous apprendre ce genre de choses. Donc là on est sur le premier site qui s'appelle tout simplement w3school.com Ce site est vraiment génial pour apprendre à la fois la programmation et euh, le graphisme en 2D. Bien évidemment parce qu'en 3D non, il n'y a pas en 3D. Mais vous voyez ici on a la couleur RGB. Et ce qui est pas mal c'est que vous avez ici en fin de compte, une espèce de simulateur qui va tout simplement selon les curseurs que vous avez touchés. Vous allez pouvoir avoir un, un visuel de votre couleur. Ici, vous avez donc l'hexadécimal, comme je disais tout à l'heure, l'hexadécimal, vous aurez une valeur. Alors, soit à 3 chiffres, soit à 6 chiffres, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Mais le principe est exactement le même. Et ensuite, ici, vous voyez, on a différents éléments. Alors, croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir au niveau de la couleur. La couleur, les photographes vous le diront tous, c'est vraiment un... il y a un gros savoir à, à connaître. Pourquoi Parce qu'en en fin de compte, la couleur, c'est tout ce qui va faire votre... Euh, euh, votre objet tout simplement, hein, selon le type de couleur que vous allez mettre, si vous mettez une couleur qui ne va pas s'harmoniser, on appelle ça un livre blanc. En fin de compte, ce livre blanc va vous définir des protocoles, comment mettre telle ou telle couleur, est-ce que celle-ci va se marier, et ainsi de suite. Et c'est là que j'en viens sur un site internet qui est très intéressant, qui s'appelle tout simplement, vous tapez Adobe Color, ou Color Adobe, et vous tomberez sur ce site très intéressant. Vous voyez par exemple, ils vous montrent par rapport à cette photo, quelles sont les couleurs qu'ils ont utilisées. Il n'y a pas grand chose, hein. il y a une, deux, trois, quatre, cinq couleurs. Et en fin de compte, grâce à ça, il va euh, vous créer des nuances. Alors là aussi, je reviens sur un autre truc qui s'appelle la roue chromatique. Et vous voyez, on va pouvoir jouer sur les différentes couleurs. Quand vous créez un objet, pensez vraiment à ça. Là, je suis un petit peu en aparté, mais ça me paraît important de vous dire ça. Quand vous créez un objet, essayez de penser quelle couleur je vais pouvoir mettre pour que celle-ci ne soit pas trop criarde. Il ne faut pas mettre une multitude de couleurs. Ou alors que si vous faites une galaxie ou des choses comme ça qui ont vraiment besoin de beaucoup de couleurs. Mais très souvent un objet n'a pas besoin d'énormément de couleurs. Il, a, il lui faut juste quelques couleurs et respectez-les. Et vous verrez que votre objet sera vraiment très beau. Ok, donc maintenant je vous ai expliqué ça, c'est super. On va pouvoir continuer. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici vous avez différentes euh, donc des boîtes comme je vous ai expliqué. Hein. La règle d'or en fait compte c'est quoi C'est tout simplement vous allez commencer de gauche à droite. Là, je vous montre un petit livre que j'ai utilisé lorsque j'ai commencé à faire les courses sur Blender 2.7. J'ai trouvé ce livre très intéressant. Celui-ci s'appelle Rendu 3D avec Blender et Cycle. Il faut savoir que, effectivement, ce livre est dédié à la version 2.7, mais croyez-moi, ce livre est une petite merveille qui vous apprend énormément de choses et bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Alors, comme vous le savez, la dernière fois, je vous expliquais comment récupérer un élément. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre. Euh vos shaders ou vos boîtes, on va dire, on va plutôt dire des boîtes. Vos boîtes qui sont composées de différents éléments. Vous voyez, on a input. Ici, vous aurez différentes choses. Alors, je vous dis, je vais essayer de vous expliquer élément par élément pour aussi avoir une bonne connaissance. Et bien évidemment, à chaque fois, je ferai en sorte de vous créer des exemples. Donc, vous avez input qui veut dire entrée, Output qui veut dire sortie. Donc, on n'a que celle-ci, c'est-à-dire celle-ci, hein, d'accord Donc là, si par exemple, je mets le fameux shader principal, principal, c'est celui que vous avez dès le début. Donc là, je vais cliquer bouton gauche de ma souris, je vais relier tout simplement au niveau de ma surface. Ici, vous allez pouvoir travailler soit sur la surface, soit sur le volume. Alors la surface, ce sera par exemple votre objet, tout simplement la couleur ou la texture que vous allez mettre sur votre objet. Le volume, ça peut être par exemple la création... Donc là, par exemple, j'ai un, un collègue qui fait des, qui a aussi une chaîne YouTube qui fait la caverne du VFX. et Il vous explique comment créer une nébuleuse et ainsi de suite. Et là, effectivement, il se sert de volume. Attention, lorsque vous utilisez le volume, celui-ci est très gourmand en ressources, Donc, il y a une bécane puissante. Et le displacement, c'est tout simplement, si vous voulez, euh, ça va être en fin de compte une texture et qu'on va pouvoir créer comme de la, du relief. Un gros relief qui vous donnera vraiment quelque chose de très intéressant. Mais on n'est pas là. Croyez-moi, il y a encore beaucoup de choses à voir. Si vous regardez ici, vous avez différents petits ronds. Alors, si je reprends les ronds, on va dire le premier, vous avez par exemple le jaune. Le jaune, il faut savoir que lorsque vous allez utiliser les shaders ou les boîtes, appelons ça plutôt des boîtes, lorsque vous allez utiliser les boîtes, vous aurez une espèce de code de couleur. Le code de couleur, par exemple, les jaunes, ça va être les couleurs, ben, les couleurs hein, tout simplement, hein, j'ai marqué quoi, euh, dédié aux couleurs, donc c'est RGB tout simplement. Donc vous allez mettre, en fin de compte, vos shaders, très souvent vous mettez jaune avec le jaune, vert avec le vert, gris avec le gris, et ainsi de suite. Bien évidemment. 90% du cas du bien évidemment 90% du, des, des cas cela marche comme ça mais ça peut évoluer euh, c'est-à-dire que des fois vous aurez des. vous mettrez un, un, une, un nœud différemment. Bon, tout ça je vous expliquerai ça en temps voulu, ne vous inquiétez pas. Donc comme je vous disais ici vous avez le jaune. Le jaune, ça va être tout simplement les couleurs. Là je vais vous mettre par exemple un shader de type diffuse et là vous aurez un vert. Ben les verts, vous l'avez compris, c'est plutôt celui-ci qu'on va faire en sorte de le connecter en, en, entre eux. BSDF, ça veut simplement dire que. Euh, alors, je crois que c'est bidirectionnel. Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vous le marque en dessous, je ne me rappelle plus. Donc, vous avez à chaque fois diffuse BSDF. Tout ce qui veut dire BSDF veut simplement dire que vous allez euh, avoir une couleur, une texture ou un matériau très réaliste. C'est tout simplement un algorithme qui a été créé par des mathématiciens qui vont vous permettre d'avoir vraiment quelque chose de très réaliste et quand vous mettez sur votre scène quel que soit le type d'éclairage que vous aurez vous aurez toujours un rendu réaliste. Donc ici comme je disais on a le vert. Le vert va être utilisé par exemple pour des shaders, c'est-à-dire que si, si je fais un shader on va prendre un mix shader, d'accord, on va pouvoir le mettre vous voyez vert au vert. Ici par contre là ça irait pas. Il faudrait par contre que lui bah, je le fasse partir, en fin de compte j'appuie sur X, rappelez-vous que toutes les fonctions, je le mets ici au niveau des surface, et ici va manquer un autre shader, puisque je vais trop loin, hein, mais... mais je vous explique rapidement. Ici si je mets par exemple ici un glossy, j'aurai donc, vous voyez, à chaque fois vert à vert, vert à vert. Faites vraiment attention à ça, c'est très important. Dans le cas du gris, ça va être tout simplement une valeur numérique. D'accord Qu'est-ce qui nous reste Alors, je vous ai dit le vert, le gris, il manque le violet. Alors, le violet, par exemple, vous voyez, ça va être tout simplement... Alors, moi, j'ai marqué quoi Pour le cas du violet, ça pourrait être, par exemple, la gestion des normales. Les normales, si vous voulez, c'est un peu comme le displacement, mais bien moins, euh, moins d'effet. Bon, tout ça, je vous expliquerai ça en temps voulu, ne vous inquiétez pas, on verra ça tranquillement. Mais il me semblait important de vous expliquer au moins les bases pour que vous puissiez comprendre ça. Donc vous avez bien compris que quand je fais Shift A, alors Shift A ou alors ici vous allez dans Add et vous allez récupérer vos éléments, vous aurez différents euh, boîtes, on va dire. Donc on a vu le Input, le Output, les shaders. On verra chaque shader un par un avec des exemples pour bien comprendre comment cela fonctionne. Ici on aura la gestion des textures. Ce sera soit des textures que vous pourrez importer, soit des textures qui ont été données dans Blender. Vous aurez par exemple un effet de bris, euh, un effet de, comme de damier. Et à chaque fois, vous aurez différents éléments. Vous voyez, par exemple, l'environnement environment texture, c'est tout simplement une map HDRI que l'on met au niveau, quand on va ici, vous voyez, au niveau du world, où ici on peut mettre un environnement texture. Si je reviens ici, qu'est-ce qu'on a d'autre On aura les couleurs, donc on pourra mettre tout simplement plus de brillance, euh, plus de saturation, inverser, faire. Enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes. Les vecteurs, les vecteurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du le, le, bump. le bump, ça veut simplement dire que vous allez pouvoir créer euh, du relief par rapport à vos objets. Avec la normal map, on pourra jouer avec des curves, c'est-à-dire des espèces de... voyez, je vous montre rapidement. On aura ici, euh, en gros, si vous voulez, votre normal map, on va dire qu'elle est comme ça. Puis d'un coup, on dit, bah, tiens, si je monte mon curseur, j'aurai un effet différent, et ainsi de suite. Il faut bien comprendre que les nodes ou la gestion du shading, c'est beaucoup de... Pas de mathématiques, mais il faut bien comprendre le principe surtout. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Si je continue ici, Shift A, on, aura donc, on pourra convertir les éléments. Euh, le Color Ramp, par exemple, si je vous montre celui-ci, très intéressant aussi, ça nous permettra de rajouter différentes couleurs et non qu'une seule. Enfin, il y a énormément de choses. Euh, J'avoue que ce truc-là qui a été mis en place lorsque c'est arrivé, waouh, beaucoup de gens se sont dit au début, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais après, quand vous commencez à comprendre comment cela fonctionne, bah, vous, ne, vous ne travaillez qu'avec cela. Parce que sinon, vous pourriez travailler ici au niveau de vos rendus, et modifier à chaque fois vos éléments. Mais croyez-moi, c'est trop galère. C'est ce que faisaient avant les gens, puisqu'il n'y avait pas le choix. Mais avec ça, c'est génial. Si je continue, qu'est-ce qui nous reste On pourra faire des scripts. Alors, soit en Python, soit en Mail. Bon, là, je ne jouerai pas à ce niveau-là. Moi-même, faisant du Python, mais bon, je m'amuserai plus. J'ai bien fait en sorte de les la programmation et le graphisme. Sachant que les deux peuvent être liés, par exemple, vous pouvez créer des add-ons et ainsi de suite, mais chaque champ son temps. Ici, vous allez pouvoir créer des groupes, c'est-à-dire que quand vous avez plein, 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 plein de, de, de boîtes, on va prendre ça des boîtes tout simplement, euh, vous allez pouvoir créer des groupes pour pouvoir justement mettre des sous-groupes et ainsi de suite pour que votre élément, sinon il faudrait un écran de cinéma pour commencer à faire des choses hyper intéressantes. Et là, vous seriez noyé, euh, moi je vois, je vous dis, je reviens toujours sur la caverne du VFX, où ce gars, il fait des trucs, waouh, wow, des fois, euh, c'est un fou quoi, c'est un fou mais il est très bon. Et ensuite ici vous avez le layout, c'est-à-dire vous allez pouvoir jouer sur les frames, les routes, c'est-à-dire qu'en gros si vous voulez, vous allez ici pour lui mettre un petit point, le faire repartir dans un autre sens et ainsi de suite. On n'en est pas là, n'ayez pas peur, on va être au tout début, c'est-à-dire que le prochain truc que l'on va voir c'est comment installer le fameux node Ranger, c'est-à-dire donne qui va nous permettre de mieux comprendre les choses et je vous expliquerai tranquillement. Ça va prendre du temps, c'est ce que je vous disais, Alors, évidemment il y a plein de sites qui font des, des vidéos là-dessus. Moi je vais essayer... Euh, de récupérer toutes les informations que je peux, euh, que ce soit la cabane du VFX, que ce soit Blender Guru, enfin je sais plus, il y en a tellement, il faudrait que je vous les donne tous et il y en aurait de trop. Et après, bah, évidemment, de voir ce que je peux vous apporter comme solution pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne. Mais avec des exemples simples, concrets, précis. Et après, à vous évidemment de, de, de chercher, de comprendre. Et une fois que je vous aurai expliqué comment marche le Node vous verrez que vous pourrez faire des thèses, des essais et ça sera génial. Voilà, bah écoutez, c'est donc la chaîne de Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour les différents liens que je vous ai montrés tout à l'heure, je vous les mettrai dans l'info YouTube, comme ça vous pourrez cliquer dessus et voir un peu de quoi je vous parlais. Croyez-moi, Adobe Color ou alors W3School est excellent quand vous voulez apprendre des choses. Bien entendu, il faut avoir une petite connaissance en anglais, j'en suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas, mais l'anglais est primordial, en tout cas l'anglais technique. Je peux comprendre que beaucoup de personnes sont rebutées, mais il n'y a, a pas photo. Il faut mieux. Il faut, il faut essayer de vous forcer, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je dis souvent des personnes, mais ce n'est pas vraiment se forcer. C'est juste dire, bah, hop, vous avez ce mot clé, hop, il est en anglais. Croyez-moi, si je vais un peu plus loin dans la dans la traduction, moi j'adore les langues. Hein, je, je me suis amusé avec plein de langues. Je fais du japonais. Je m'étais amusé avec l'allemand. J'ai fait du brésilien. Enfin, j'ai fait plein de langues. Je m'étais vraiment éclaté avec ça. J'ai fait un peu d'arabe, ainsi de suite. Et vous apercevez que dans la langue française eh bien, il y a plein de mots euh, que, vous, que vous dites, par exemple, café, c'est arabe, enfin, il y a plein de mots comme ça que vous dites et vous pensez que c'est français, mais pas du tout. Donc, il suffit tout simplement de dire, bah tiens, c'est un nouveau mot de la langue française qui est arrivé, je l'apprends, comme Shader, vous dites c'est matériaux et ainsi de suite. Bon, voilà, je n'en dis pas plus, je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo, bye bye